Si vous allez dans la cathédrale de Tours, vous voyez aujourd'hui les reliques de Saint-Martin à Tours. Elles ont séjourné ici pendant 10 ans. Et grâce aux reliques de Saint-Martin de Tours, Chablis est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le cas de ces reliques de Saint-Martin de Tours, qui ces reliques sont durant 10 ans ici, parce qu'elles sont salvées, parce qu'elles viennent par là. Chablis entrou então no caminho de Santiago de Compostela, certo? A partir desse momento. My God, Madonna mia di Sapri! Ah, fantastique! Donc c'est vraiment ici que commence l'histoire de l'obédiencerie, hein? Les moines sont restés ici, donc cette partie-là est la plus ancienne, elle est du 9e siècle, c'est ici qu'ils ont commencé à construire l'obédiencerie, et les reliques de Saint-Martin sont restées dans cette petite crique pendant 10 ans. Hein? Ils ont construit l'obédiencerie de la Torique de Chablis et c'est un pressoir à abattage du 13e siècle. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut savoir que les moines faisaient le vin ici. Il n'y a plus que 3 pressoirs comme ça dans leur site d'origine. C'est-à-dire que les moines ici faisaient le vin au 13e siècle, puisque c'est le 13e siècle. Vous en avez 2 à Clos-Vougeot, dans le sud de la Bourgogne, et vous avez celui-là qui est dans son site d'origine. Então, na Bourgogne, tu só tem 3 prensas que ainda estão no lugar de origem, certo? Esse daqui e 2 outras em Clos-Vougeot, no sul da Bourgogne. Donc, ça s'appelle un pressoir à abattage, parce que en faisant basculer les poutres que vous avez ici, en tournant la roue, on bascule les poutres, et on écrasait le raisin comme ça. Donc j'ai des petites photos, peut-être que ça va être plus facile pour vous de comprendre. Esmagava-se o vinho, na verdade, girava aquela roda, isso fazia descer essa viga, e ia esmagar. Donc on met là, il faut savoir que ce pressoir, on l'utilise tous les ans, une fois par an, au mois de septembre. On fait des relations publiques avec des clients généralement européens, donc on a un groupe d'une quarantaine de clients. Et on va dans les vignes, c'est au moment des vendanges, on va dans les vignes, on ramasse et on fait tous les ans, on fait fonctionner ce pressoir. Nous sommes ici dans un village de 2500 habitants. Et l'appellation Chablis, c'est 20 villages. Hein? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'appellation Chablis, c'est 20 villages. Hein? La dénomination, l'appellation Chablis, comprend 20 villages autour de Chablis. Donc on va dire à peu près sur. Entre 10 et 15 km autour de Chablis. Hein. Entre 10 et 15 km au redor de Chablis. C'est un cépage. Et une caste unique, le Chardonnay. Et vous trouvez des petits Chablis en entrée de gamme. Chablis, premier cru et grand cru. Vous avez le petit Chablis, qui est au início de la gamme, ou Chablis, ou premier cru et grand cru, qui est au top de la gamme. Et l'appellation totale représente environ 4500 hectares de vignes. Et le total de dénomination est 4500 hectares de vignes. Pour environ 400 producteurs de vin. Il y a plus ou moins 400 producteurs de vin. Du rosca. Et on a notre réserve de l'obédience qu'on vend 90 euros en magasin, donc c'est notre vin le plus cher. Il n'est que en cabinet. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est acheté un tel de charme, il n'y a que 7 chambres, donc les gens ici, il n'y a pas de service, ils font comme chez eux, ils servent à l'apéritif, ils sont... Il y a juste le service du petit déjeuner. Nossa. Ah.
Ficam espelhadas com ostras. Bárbaro. Imagina um dia de sol aqui. Nossa, bárbaro. Em cima do rio. Ah, aqui. Olha isso. Elles sont toutes différentes. Partout dans toutes les chambres. C'est vraiment l'ancien moulin. Aí passa bem. Tem uma comporta aqui, né? Ah, que bonitinho.